Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbotenabino, alors comme nous vous disons chaque fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Alors, maman est belé, papa est belé, pour éviter importance, il y a notification. Il faut beau fina sur notification, bouton anaïsa important, ça veut dire que chaque fois, en fait, Ekoedebino, chaque fois, Oyotoro Salaba émission, ça vous permettra, en fait, de vous informer. Et à Kotindabino, moi, message, neti alerte, neti alarme, pour la Koebisabino, que émission et Asika, et outil, Kokotana YouTube, et ça vous permettra directement, et à Kokota YouTube, pour la Golandaba émission, la biso. Donc, beau, hésitez, il y a un bouton, il y a notification. Voilà. En tout cas, beaucoup retrouvez également la plupart de nos émissions sur notre site www.ak-243.com. En tout cas, vous avez belété oyo bokendakana site wana. En tout cas, ça vous permettra de voir nos dernières émissions directement pour la bandeko oyo souvent. Vous avez la difficulté à retrouver Bissot sur YouTube, beaucoup kende, sur notre site www.ak-243.com. Alors, aujourd'hui, nous avons exactement 6 points au Yotorotala Nabino. Le premier point, c'est que Toko Lakisabino, bah, image, il y a eu des spéculations, Oyo est circulé week-end Oyo, bah, te belé, bah, le bagi que Vital Kamere n'a quelques membres du gouvernement, bah, zoaki coronavirus. Alors, Tomekaki, qu'on menait enquête, et Toko Lakisabino, bah, image, comme ça, bah, monabino moko, qu'est-ce qu'il en est concernant Makambouana. Et en deuxième point, au Kolaksabino Peba image, il y a un chef coutumier, Oyo Bazo sensibilisé, Nandenge Nabango, et la FEC, la Fédération des entreprises congolaises, Bango Pe, papé si message pour la chef de l'État, Tokolaksabino, gouverneur Moko, Oyo Tomonique, Azo Salamou Salamoko ya bien, Oyo Tomonique, Aza dynamique. Au-delà, il y a appartenance naïe politique. En tout cas, tout le monde a dit que gouverneur wana aza dynamique et que ce qui fachi aza qui n'a pas gouverneur et belé netié. En tout cas, tokoka qui vraiment corrélevé mboka na biso moko ya batwana moko ya ba gouverneur wana eza gouverneur qui a Yulu, je crois, j'espère que je prononce bien son nom, aza gouverneur ya Katanga. En tout cas, aza dynamique tokobana ko Lakisabino parce que tous les jours, vraiment, Bozo Monakile au four et au moulin. Et nous passerons directement après Makambo et Tali Katanga, naba confinement, naba lutte contre le coronavirus. Et en cinquième point, nous vous mettrons le point de presse, il y a ministre de la fonction publique, Oyo, à prendre décision que pas plus de 5 personnes, Bakozala, Nakati, Yaba Bureau, na administration publique. Alors, Bokolanda, message naye, et Toko Silisa, émission Nabiso avec Makamboyo, Etali, Ne Mwanantsemi, Oyo a s'auto-proclamé que Ye Aza, oncle, Ya Félix Antoine Tshisekedi. Alors, to ébite, ce qui est à parce que Aza, Moutou, Ya famille présidentielle, que Azo respecté Mi Beko, Ya Mbokate. Parce que depuis qu'on a demandé un confinement sur Kinshasa, en tout cas, lui, il fait fi de respecter la consigne Oyo ba autorité ba tient en place et tozomona azosa la ba sortie na ba adepte nae et puis au lieu de causer la même en petit groupe baza vraiment ebélé baza ebélé Oyo bazo ça la ba perturbation sur la voie publique menyo soana boko landa yango na katia émission. Alors bandeko to bandi directement avec le premier point, Isama Kamboyo et Tali Vital Kamere, mais avant cela, nous disons et nous demandons au gouvernement d'être très vigilant et d'être très prudent dans les mesures qui sont en train de prendre par rapport au confinement na Kinshasa, parce qu'il faut savoir que nous avons une population très pauvre. Et donc aujourd'hui, demander à cette population qui vit au jour le jour de ne pas sortir de chez elle, il faut également la donner des moyens pour survivre. Et si il n'y a pas de vivres, et si on ne permet pas
qu'ils aient un minimum, à savoir l'électricité et l'eau en tout cas, et que vous allez mobulu pour Nabango et que vous allez mobulu ba respecter mi beko oyo mokonzi a tient en place. Donc il faut vraiment que on puisse sortir, décaisser de l'argent. Ah, tout le monde a dit qu'il y a déjà un premier effort qui a été fait d'1,8 million qui a été décaissé, mais connaissant la grandeur du Congo, en connaissant le nombre d'habitants au Yobaza, plus de 12 millions juste sur Kinshasa, 1 800 000, ça c'est vraiment une goutte d'eau. Et il faudrait que le gouvernement puisse sortir un peu plus d'argent. En tout cas, elle en est capable parce que tout le monde a qui en goût, là, bah, détournement, il y a 15 millions, 200 millions, bah, détournement. Et Bélé, en tout cas, il faut que Mbongwana et servir la population et aider la population. Et nous savons que le chef de l'État, Yemoko Aloba, qui que le peuple d'abord, donc il faut tout dire, peuple au centre, il y a gouvernance naïe, au centre, il y a programme naïe. Et nous lui faisons confiance, en tout cas, pour prendre des mesures dans ce sens-là. Alors, Awa Bandeko, week-end Oyo, la toile s'est affolée. Patebeli, Baloba, qui que Tangu, on a appris que Madame Acacia avait été contaminée par son frère. Père Sonam Oyo Aotiko Koufa, Oyo qui était le premier, en tout cas Oyo Azala, qui n'a maladie, Wana ya coronavirus, Oyo Akufina Kinshasa, Batuebele, Balobaki, en tout cas ma rumeur et Bimaki que Vital Kamere également avait été contaminé. Alors, Eloko Yotokoloba, c'est que nous devons démentir cette information parce que tout le monde qui est na réunion Oyo et c'est Tenaki Lelo à Kinshasa, donc à la cité de l'OUA. Tout le monde a qui Vital Kamere, Azalaki Wana, Nam Mask Nae. Tout le monde a qui quelques membres, en tout cas, il y a gouvernement Oyo, Bazalaki Wana et Toko Laksabino, Toko faire défiler Bino, peut-être bah, photo Wana, comme ça, bon, on a Bino Moko que Vital Kamere est bien là, est bien en forme. Donc, information Oyo, tout démentir en gros, Vital Kamere, Azwa ki coronavirus te, Aza wana, Aza en forme. Voilà, Oyo Itali, Vital Kamere. Alors, Awa Bandeko, Tolekina, deuxième point, Boeva que nous avons également aujourd'hui, bah, chef coutumier, Oyo Balobi que, Ezape, naba traitement, ya Bokoko, Oyo, population ba koki kozwa oyo et ko protéger bango et bango moko ba pesi en tout cas ba conseil bolandango na katia ba image wana mais eloko yo tokoloba ba ndeko c'est que il faut être très prudent aujourd'hui. Je crois que il faut suivre les instructions ya ba tout oyo on a mis en place pour lutter contre cette pandémie. Et Batouana, Toyebi Bango, ils ont docteur Mouyembe, Bangonde, Baza habilité à pouvoir couper ça va conseil pour aider la population d'Abisso. Alors, Awa, pour ne pas faire l'injustice, Togote Labino P, message, il y a ma chef coutumier, Bolanda. Et ça, les logotés. Je suis combien de temps, chloroquine, okini, vaccin exaté, motako sabinote exaté. Et Lima, Oyo, Bango, c'est Kimi, Bango, Pego, Liaka, Bango. Et telemi à ma case, mais biso, to boye à bébé balèche. Yamoto lobby, chef de l'État Prince Angela, et l'okoy, et San Angela Nango, bankoumou tout ça la cérémonie na biso, en entendant, soit oyo, osu bodisa oyo, yamouin oyo, soit ndamou, tchakatinoa maï, sokolan jotomou, sokolan jotomou, soki est sili, osu mungwa, mungwa zay maïte, maïwana ya bodisa bo melate, et zaya bo melate. Oya mungu azwa musapicha na lolemo. Lokola bonbon. Tika ya ngwe vanda na lolemo oyo kwa ndenge zo kita na mungu lala na ngwo. Na tongo la muka sambela nzambe la bakoko baba tela bino. Ndeo biso topesi bino ananzanda. Tokuta na mungu nzambuka to koka kukota itumba oyo. Merci na bino nyoso. Mboka na biso koko ya bate. Oya hunde kopesa solusyo na mungu. Nde toke nyoso. Na mboko ya koto. Soki mungu nzambuka. Masolo yu na bangonde toke mbeko utara. Voilà Bandeko, bon, il va que la FEC, donc la Fédération des entreprises congolaises, Bango Pe, Bazoaki, idée na Bango, c'est que Monique, pour éviter que la contagion se fasse province par province, et c'est que le chef de l'État, Akata,
ba ligne Oyo et Zora Vitae ba province que pour le moment on puisse suspendre les vols aériens locaux et awa en tout cas Bogolanda point de presse na bango Bogoyoka ndenge bango moko bazo conseiller chef de l'État que asala confinement na Kinshasa que batou bazana Kinshasa babimate pour ne pas contaminer bandeko na biso Oyo bazana ba province. Alors awa to tieli bino ba image comme ça Bolanda. Comment préconiser par exemple pour que, comme on a arrêté les vols internationaux sur Kinshasa, qu'on arrête également des vols domestiques sur l'intérieur du pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on amène cette maladie un peu partout en RDC. Et pour cela, il faut qu'on puisse arrêter des vols passagers pendant quelques temps. Au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, nous avons eu à faire une réunion extraordinaire du comité de direction. Ce matin, réunion qui avait été présidée par M. Yuma, le président de la FEC. Et au cours de cette réunion, nous avons décidé de sensibiliser nos membres pour que les prix sur le marché restent les mêmes, qu'on ne puisse pas augmenter à cause de ce problème ou de la ruée des gens dans les épiceries ou dans les magasins, qu'on puisse augmenter les biens des premières nécessités. Et nous avons également demandé à nos membres ceux qui peuvent le faire, n'est-ce pas? Surtout le secteur minier. Payer l'impôt avant le 30 avril, de façon à permettre au gouvernement d'avoir les moyens de faire face aux défis qui se... Voilà, Bandeko, vous savez qu'aujourd'hui, petit à petit, la population est en train de prendre conscience, petit à petit, les associations, les mouvements politiques, les mouvements religieux, en tout cas... Tous les Congolais sont en train de se mobiliser pour sensibiliser par rapport à cette pandémie. Et awa, nous avons des associations Oyo ba komi ko sala ba clip pour sensibiliser sur le comment se laver les mains et pour éviter aussi de se serrer les mains, pour éviter les contacts physiques, pour essayer d'avoir toujours des masques pour se protéger. En tout cas, Eza et loko moko ya malamu parce que nenge to yebisa ki bino na ba émission outi ko leka toza na ba politiciens misusu Oyo tomonaka que même là où souvent ils peuvent s'abstenir d'aller dans des querelles politiques bazalaka toujours wana pour enflammer et pour la couper ça ba message ya mabe tozana maman F Bazaï ba Oyo boyebi que pour na ye alobaki que coronavirus ezalaki cop ezalaki coopération pour na ko zwa bambongo et en tout cas ezalaki mabe parce que ba congolais ebele intérioriser message à maman Eve Bazaïba pour na bango mingi na bango bandimarate que coronavirus c'est une maladie moko réel Oyo eza dangereux Oyo ezo touché batou Oyo ezo boma batou et aujourd'hui nous avons des associations Oyo Bazawana pour sensibiliser pour mobiliser alors oui Bandeko en tout cas ce qui bomoni que tous les jours tokomiko mobilisé par rapport à maladie wana c'est que dangerosité ya maladie wana bomoni par exemple Italie eza mboka moko oyo bazana ba infrastructure sanitaire bazana ba hôpitaux mais malgré ça bomoni débordement tous les jours c'est entre 500 et 600 personnes oyo bazo kufana Italie alors Bandeko boyebi que premier temps ezalaka pandémie wana et se répandre après que se répandre bomona batuba kozwa ba symptôme après kozwa ba symptôme batuba ko banda ko kufa et il faut vraiment que tout sensibiliser batou oyo bazozwa ba bus batou oyo bazana contact que vraiment tant bazo bima ba kende na ba lieu public et sika il y a des grands rassemblements et tozwa ki ba message il y a ba pasteur misusu oyo ezo circuler na ba WhatsApp et sika bazo loba que non il faut ko kende ba église que ba église il faut continuer qu'il faut ko bunda contre mitindo oyo contre mibeko oyo le chef de l'État a pesi a ko stopper ba rassemblement na ba lieu ya ba culte en tout cas boy babandeko que eza vraiment dangereux il ne faut pas ko landa mibeko wana alors to tibino sensibilisation ya association oyo bolanda
Répondant positivement à l'appel du chef de l'État congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui de voir tous les leaders s'engager dans la sensibilisation des populations pour arrêter la propagation de la maladie à coronavirus. La Fondation Widal du sénateur Guy Luando Mboyo a lancé ce samedi 21 mars 2020 dans la ville de Kinshasa, à la place de la gare, des points mobiles de sensibilisation et de lavage des mains pour les passants. Cet exercice pédagogique est l'une des manières efficaces de conscientiser les populations face à cette pandémie qui continue à faire des victimes. Cette activité a été supervisée sur terrain par M. Albert Colombo Yoko, coordonnateur de Widal Kinshasa. Oui, awa na gare centrale kulandisama na ma instruction oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobaki na etando ike concernant maladie ya coronavirus kulandisama na président na biso Guy Luando Mboyo, honorable sénateur Luando, président de la Fondation Widal, ndenge a relayé qui lui sous ba propos y a président de la République au travers message na ya cela qui na ba membre na union so nde a zwa qui li kanisi oyo que na chaque arrêt à bus a poni moi ba arrêt misato mine imitano oyo bande kwa Fondation Widal ba ndako ya kusunga bande ko na bango au travers exercice ya kusukula kama boko. Voilà sens ya biso na après-midi awa na gare centrale. Donc to kotika el biloko awa ba matériel nyoso ekozala kaka awa ti na moment oyo gouvernement ekosenga to cesse wa opération oyo et to kotendre ango na ba quartier mususu na ba commune mususu ba re ya biso eza parce qu'on pense que ba milieu wa eza milieu moko très ambiant. Makambo ya coronavirus eza makambo ya kosakana nango te. Makambo nyoso oyo bato ya organisation mondiale ya santé na ba service nyoso ya ba santé ba relayer bona hygiène tozala nango pena lokebi mingi tokanisa te ke koso moindo nde bato mosusu bazoloba ke moto moindo akokufa na maladi wana te eza lokuta. Il faut to observer hygiène comme ça makambo ya corona elonga mosika na biso. Notons par ailleurs que l'opérationnalisation de ces points de lavage des mains est couplée à la distribution gratuite des gels désinfectants. Satisfait, un des bénéficiaires donne de la voix. Ma na sepeli mingi premièrement vraiment biso population toza. Voilà Bandeko, alors ici to côté la bino ba image il y a gouverneur Oyo il y a ville il y a Lubumbashi donc il y a Katanga monsieur Jacques Kia Biulu, j'espère que je prononce bien le nom. En tout cas, Tolandi est depuis plusieurs jours, tozomona que gouverneur Wana, malgré tendance na politique, aza gouverneur Moko, Oyo Azo soit pas décision, Oyo Aza très actif, Oyo vraiment Aza dynamique, na Moussala nae, tozomona que Azo soit pas ici. Azo zo ba initiative, azo zelate ke ba ya ba pesa mbongo boe boe, aza toujours wana pona koveye, pona bien-être ya population na ye na Lubumbashi. En tout cas, to félicite vraiment dynamisme na ye, to félicite ma ba idée o ya zo zo, to félicite réactivité na ye, parce que aujourd'hui, eloko to zo mona, quand il y avait commerçants oyo baba na komatisa ba prix oyo ya ba denrées alimentaires tout mon aki qu'il avait dépêché ministre na e provincial pour na ko pekisa que ba matisa ba prix wana et pour mettre en garde ba commerçants wana. Et ici, au lendemain de la décision du chef de l'État de confiner les personnes malades et de confiner la population pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus, tout le monde dit qu'ils ont déjà commencé à mettre sur pied des locaux, à construire des locaux et à rénover des locaux Oyo qui doivent accueillir les malades. Et nous disons que si tous les gouverneurs basaraki comme ça, proactifs, en tout cas, Tolinga Tomo, un Congo qui allait être en train de se relever. Malheureusement, la plupart y a gouverneur Oyo Bazawana, Bazala Kakawana, pona kotala comment ba koki koyi ba mbongo ko détourner ba mbongo ou bien batala kama bumu na bango to ba famille na bango. Mais ici, nous avons un gouverneur très soucieux de sa population et to encourager ango. Alors, to tchelibino ba image comme ça Bolanda bino moko nenge bazo construire ba bâtiment. Bolanda. Le centre de mise en quarantaine de cas suspects du coronavirus sera bientôt opérationnel. Le gouvernement du Katanga a mis de moyens pour la construction d'un bloc avec 12 locaux à l'aéroport de Luano. Le gouverneur Jacques Kabula Katoé et le ministre de la Santé accompagnés de membres du bureau de l'Assemblée provinciale avec à la tête le président Freddy Kachoba Lubikibwe se sont rendus compte de l'évolution de travaux qui avancent à grands pas.
Tous vêtus de masques, le chef de l'exécutif provincial ainsi que toute la délégation ont eu des explications sur les travaux qui sont déjà à la phase de finissage. Et dans un délai d'une semaine, tout cas qui sera testé positif au coronavirus sera vite acheminé à ces lieux pour une bonne prise en charge selon les normes. Et pour le gouverneur de province, ces projets concernent la construction d'un hôpital. Le gouvernement provincial a besoin de l'appui des opérateurs économiques pour sa réussite. Nous sentons que le danger est à nos portes parce que nous sommes conscients que chaque jour, il y a des vols qui viennent de Kinshasa. Et chaque jour, il y a des mouvements de citoyens qui viennent du monde entier. Et donc, la province du Haut-Katanga n'est pas totalement à l'abri. Certes, jusque-là, aucun cas n'est déclaré. En tant que gestionnaire, la moindre des choses, c'est de se préparer. Donc nous sommes en train de nous préparer et nous appelons toute personne de bonne foi à venir nous donner un coup de main. Ça, c'est juste un pavillon, mais le projet lui-même, c'est de construire un grand hôpital qui va prendre 100 lits. Et pour ça, nous avons besoin de la participation de tout le monde. Ceux qui ont des fonds pour nous aider, qu'ils nous viennent en aide. Par la même occasion, je voudrais dire à la population louchoise et même aux Katangaises que cette maladie est vraie. Cette maladie touche tout le monde, sans distinction de race, sans distinction de peau. Donc tous nous sommes la cible. Pour terminer, le chef de l'exécutif provincial a insisté sur l'application des mesures d'hygiène qui se résument en termes de port de masque pour les personnes qui toussent. C'est laver régulièrement les mains ainsi que le maintien d'une distance d'environ 1 mètre des autres. Tout comme au centre-ville, plusieurs coins de la capitale du Cuivre sont restés déserts. Ici, au quartier Mounois, dans la commune annexe, c'est un jour sans embouteillage. Les quelques véhicules qui ont tenté de braver les mesures restrictives ont été priés de rebrousser chemin. Sur la route du Golfe, il y a des barrières, des forces de l'ordre. Seuls les cas d'urgence sont autorisés, comme ce véhicule transportant une équipe d'intervention des services sanitaires qui va examiner un des 75 passagers recherchés après alerte de sa famille. Ah, normalement, on devrait savoir l'adresse et puis... Comment ça fait cette avenue ? L'église un peu sur le fond de la pente. Plus loin de là, au quartier Kassapa, pas d'activité, mais des attroupements constatés au niveau du marché Moïse. La commune de la Kenya n'a connu ni marché ni son affluence habituelle, tout comme sa voisine, la commune de Kamalondo. Sur l'avenue Babemba, on peut lire la tristesse sur les visages de quelques habitants. La commune d'Ambiance n'a connu ni bière, ni Michopo, et cela va durer encore quelques jours. Voilà, Bandeko, Sigo, nous allons vous mettre des images insolites. Il y a une personne qui a commencé à ressentir les symptômes du coronavirus. Et ici, il faut savoir que cette personne-là travaillait, semble-t-il, dans une usine qui est tenue par les Chinois. Mais Awa, population directement va se mobiliser pour avoir pris en charge par le ministre provincial et par le gouverneur. En tout cas, tout est libino ba image, comme ça, Bomona Ndenge et les Kaki, Boland. Mes chers amis, habitants de Lubumbashi, voilà un patriote, notre frère Andy. Il travaillait chez les Chinois, maintenant il est malade, il n'arrive pas à respirer. Il nous a appelés, il a appelé la police est arrivée, ça fait au moins 3 heures du temps, il n'y a pas l'intervention. Dieu merci, je viens d'appeler le gouverneur de la province, Jacques Kaboula Katwe, il a accepté d'envoyer tout de suite là, il a envoyé le ministre de Santé, il est en route, il arrive. Mais la police est là, la police a fait 3, ils ont fait 3 heures du temps ici, même pas l'intervention. Nous attendons maintenant l'intervention du gouvernement provincial. Dieu merci, je vois la jupe de notre ministre provincial de Santé, il vient d'arriver. Mais voilà maintenant, notre ami, il est là, Andy, il est reconnu dans Lubumbashi, il travaille avec les Chinois. Andy, mon ami, sois calme, hein? On va t'amener, tu vas guérir. Tu seras guéri, mon frère. Merci. Voilà, Bandeko. Siko Togoti Labino Baimage, Bogomon Abino Moko, en tout cas, le président, il y a association, il y a force grise, Oyazo dénoncé, école fictive, Oyo. Des gens dans un cabinet ministériel baso créé école fictive pour détourner l'argent du contribuable. Alors bisoto loba mingité to tselibino ba image wana, mais en même temps nous dénonçons de tels agissements. Nous pensons que le Congo pourra se lever qu'à une seule condition, si nous changeons nos mentalités. Bolanda.
Dans une correspondance dont copie est parvenue à Top Congo FM dimanche, les membres de cette organisation recommandent à Félix Tshisekedi de voir un peu plus clair s'agissant des mesures d'application de la gratuité de l'enseignement des bases, au Premier ministre de faire annuler tous les arrêtés portant nomination des nouveaux cadres dans les secteurs de l'éducation et le recrutement massif des nouvelles unités. On écoute Flori Mapamboli, président de Force Grise, au téléphone de Walter Nkoye. Nous avons reçu des informations, des sources sûres relatives à la fraude massive, ce que j'ai qualifié de sabotage de la mesure phare du président de la République consistant à donner l'accès gratuit à l'éducation de base à notre population. Nous partons de faits qui ont été décriés par l'honorable Tony Mwaba, mais aussi des informations que nous avons reçues des sources-ci. Il ressort qu'au niveau du ministère de l'EPST, il y a eu nomination sous des motivations partisanes, il y a eu une affectation maladroite de frais liés au fonctionnement de CECOP, une augmentation scandaleuse et frauduleuse des nouvelles unités, la création des écoles publiques fictives pour justifier certaines affectations des fonds et du personnel fictif. Nous pensons que toutes ces choses sont extrêmement graves et nécessitent des enquêtes appropriées pour que les auteurs de ces actes, que moi je considère comme des terroristes, puissent être appréhendés et déférés devant les juridictions compétentes en vue d'être jugés et condamnés au besoin. Nous demandons au président de la République de suivre de près ces dossiers, que les enquêtes judiciaires impartiales et sérieuses soient menées. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit juste après la réclame. À suivre l'actualité. Voilà, Bandeko, c'est que nous allons vous mettre les images du ministre de la fonction publique, Oyo, à Pessi Mitindo, qu'aujourd'hui dans l'administration, on ne peut pas être à plus de 5 personnes. Alors, Totilibino ba image, comme ça, Bolanda. En exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je porte à la connaissance de tous les agents de l'administration publique ainsi que ceux qui abritent les bâtiments administratifs des administrations sectorielles d'observer avec rigueur les mesures d'hygiène et sanitaires édictées par l'Organisation mondiale de la santé contre le coronavirus COVID-19 en vos lieux de services respectifs. Ainsi, au regard de ces mesures, les dispositions suivantes sont de strictes applications. Seul le personnel essentiel est tenu d'assurer les services minimums. Aucun bureau ne peut abriter plus de 5 agents. Les lave-mains sont placés dans toutes les entrées des bâtiments administratifs. Les entrées et sorties au sein des 10 bâtiments seront contrôlées et filtrées, ainsi qu'un prélèvement de la température des agents et visiteurs seront observés. Toute personne dont la température est au moins à 37,5 degrés n'aura pas accès au bâtiment. 6. Tout cas suspect de coronavirus d'un agent de l'État sera signalé et acheminé au centre de santé de prise en charge le plus proche. Une équipe sanitaire composée des agents qualifiés est mise en place dans toutes les entrées et sorties des bâtiments administratifs. Les attroupements des agents au sein des bâtiments sont strictement interdits. Ainsi, les visites doivent-elles être sensiblement réduites. Les chefs de service sont censés désigner les agents pouvant assurer la permanence au bureau durant cette période de service minimum. Notez bien, les secrétaires généraux et les directeurs généraux de l'administration publique, à savoir ministères, services et institutions publiques, sont... Voilà, Bandeko, maintenant nous allons vous mettre les images de l'oncle autoproclamé et à président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à savoir M. Ne Mwanantsemi. Aujourd'hui, M. Ne Mwanantsemi a lobby que Félix Antoine Tshisekedi. Aza neveu naïe et en même temps a singi que tout soutenir
Neveu Nahé, Félix-Antoine Tshisekedi, en même temps, il est en train de faire obstruction à la bonne gouvernance que M. Félix-Antoine Tshisekedi est en train d'impulser. Alors, Bisso, Tolobi, Tosengi, vraiment que autorité, Basala, Nyon, surtout pour que l'oncle autoproclamé du chef de l'État, à savoir M. Nemwanantsemi, ne puisse plus continuer à perturber l'ordre public. Normalement, dans un état de droit, il faut savoir qu'au faire respecter Mibeko et Amboka. Et ici, depuis que Balobaki, pas de rassemblement de plusieurs personnes, tout monique que malheureusement, week-end au Tikoleka, l'oncle du chef de l'État, tout éviter ce qu'il a parce qu'il a famille présidentielle, Abimaki n'a pas adepte nae, et tout signe vraiment que ordre et zonga est important, sinon, il a par exemple à Mabé, Bolanda. Nemwanantsemi s'engage à soutenir le président de la République et à participer au développement de la République démocratique du Congo. Le leader du mouvement mystico-religieux l'a dit au cours d'un point de presse organisé en sa résidence. Lui qui appelle le chef de l'État son neveu demande qu'on laisse le président de la République conduire aux destinées de la nation. Laissez mon neveu tranquille. Alors, c'est que je ne veux pas pour moi. Je dois aussi le vouloir pour mon neveu. Parce que les Balouba ont un lien de sang avec les Bakongo. Nemwanantsemi se dit grand leader Congo. Il aurait souhaité être associé au projet réalisé par la première dame dans le domaine de l'agriculture au Congo central. Moi, son Bogilo, je suis à Kinshasa. Il veut descendre au Bakongo, je suis le leader. Elle ne veut pas me voir. Si elle était venue me voir, je lui demandais de me procurer 20 tracteurs. Parce que j'ai des terres au Bakongo. J'allais mettre mes militaires ici au travail. Cultiver avec des tracteurs, ça allait faire populaire. Tomates, 3 mois seulement mbongo. Pili-pili, 3 mois seulement mbongo. Pondou, mbongo. Manioc. J'ai 250 jeunes ici. Elle devait me donner des tracteurs. Je vais cultiver des basses étendues de terre et on aura beaucoup d'argent. Pour le leader de Bundu Diamayala, l'apport serait très appréciable si la première dame l'avait associé à son projet. Moi, je suis le leader du Bakongo. Elle devrait commencer par venir me voir, me dire que Bokilo, je vais descendre au Bakongo pour tel projet. Qu'est-ce que vous pensez? Je donne mes idées parce que je suis un grand penseur. Comme ça, idée naïna yangaï sangani, akitina Bakongo. Je sais d'avance que Makamoko sera bien. Nemwanantsemi souhaite par ailleurs que ces biens détruits pendant des incessantes descentes de la police dans sa résidence lui soient restitués. On a détruit ma maison, détruit mes 4 véhicules, détruit mes congélateurs, tout a été détruit. Il me donne le dommage un peu. Le leader de Bundu Diamayala voudrait participer au développement de la République démocratique du Congo en tant que gestionnaire dans une entreprise publique. Sa demande s'adresse au chef de l'État. Qu'il me nomme administrateur délégué de la SNEL, de l'ONATRA, de Hervé Mboma ou de Société Pétrolière du Monde. Nemwanantsemi fait des propositions pour décongestionner la circulation dans la ville de Kinshasa. Les routes, les maisons doivent suivre l'évolution de la population. Il faut faire un inventaire pour voir comment évolue la population. Afin qu'on crée de nouvelles écoles, de nouvelles routes. J'ai prévu une autoroute qui devait aller de l'arrêt de bus de Makaba, traverser le Kalouba jusqu'à Limiti. Parce que j'ai dit, les petites routes de Sepalbès vont être dépassées. Et maintenant, ces petites routes sont dépassées. On n'a jamais conçu de nouvelles autoroutes.
Et maintenant, son moto, c'est l'encombrement. Ça ne changera pas. Ça va s'aggraver jusqu'à ce que vous allez construire des autoroutes. Trois voitures, allez, trois voitures retour. Ou quatre, allez, quatre retour. Des autoroutes adaptées à la modernité actuelle. Le leader de Bundu Diamayala croit dur comme fer au développement de la RDC et ce, avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà Bandeko, merci Nabino Nyoso, Oye Bolanda Kibiso, Ndenge Bo Senga Kabiso, Ndenge Bo Benga Kabiso tous les jours, tant Bo Senga Kake, tous à un peu plus fréquent, Naba Info pour la quoi informer Bino Boeva que ici nous n'avons plus le choix, Ataya Kokende pas quoi faire, c'est impossible, Likolo ya confinement, tous à Biso Nyoso, les lois commis monde entier, tous à confiné, Likolo ya pandémie mondiale, Oyo ya coronavirus et donc, Tozan a plus de temps pour nous informer Bino parce que d'habitude, Webi Bandeko, Tozan a ba activité Misusu Oyo, nous essayons de mettre sur pied Namborana Bissou pour nous accompagner Vision et chef de l'État et souvent ils auront Bissou temps et belé. Et nous ne sommes pas toujours capables de vous informer directement, mais vous devez savoir que nous avons une équipe à Kinshasa qui fonctionne très régulièrement sur les informations Oyo et Tali Mbokana Biso. Donc, à Tasoki, Bomoninga été, Naibi que Bosepela Mingi, Na serviteur Nabino, mais Soki Bomoninga été vraiment Bolimbi Sangai, Bo comprendre Eza Nde ba activité. Mais Awa, Likolo ya confinement, tout le monde est là. Donc, n'hésitez pas, Yako partager ba information Nabiso, parce que Loko la paix, Tozo sa la sacrifice Yako informer Bino, en tout cas. N'hésitez pas non plus de faire circuler l'information. À très bientôt. Je m'appelle Kimbangu Deji. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre voisin Félix, Félix Tshisekedi. Notre voisin Félix, Félix Tshisekedi. Démocratique du Congo. Je jure son allènement devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Bamba la bamba, ma batte de la bamba.
paroliers. Merci. On fait la paix. Olia, Banaba Tamba, Banaba Kendekileas, Miloko Kika. Merci Son Excellence Félix Tshisekedi, notre président.